Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Link's Awakening. Et donc dans cet épisode, tout simplement, on va s'attaquer au 7ème donjon qui est au nord-est de l'île, c'est la tour du vautour. Allez, on est parti. Ah, zut, j'avais oublié d'enlever la petite flèche, voilà, c'est bon. Donc, merde, non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est vrai que quand j'ai sauvegardé, ça m'avait un peu tout niqué. Voilà, donc on a récupéré le poulet, le coq volant qui va nous être fort utile pour monter à des endroits où on n'avait pas encore accès. Je vais vous montrer, mais pour ça on a besoin de se balader dans les montagnes. Donc direction les montagnes. Hop. On va passer par là. Ça, on n'a pas trop le choix. Alors on va retourner là où on avait sauté dans la cascade pour aller choper le donjon numéro 4. Mais c'est pas le donjon numéro 4 auquel on va accéder, c'est plus loin. Il y avait une partie où on pouvait déjà accéder une fois qu'on avait le... Ah bah, le hibou qui parle. Ouh, ouh, ton périple est ardu, mais tu y es presque. Va vers l'est, le poisson du vent a besoin de sommeil. Quoi? Hein? Donc c'est hyper pratique le poulet volant. Hop, on va passer par là. Tiens, j'en profitais d'ailleurs pour passer ici. Bon, techniquement, maintenant que j'ai le grappin, je pourrais m'en sortir sans ça, mais voilà. C'est quand même vachement pratique, je trouve. Hop. Voilà. Voilà, donc ici, on pouvait pas encore y accéder parce qu'on n'avait pas les palmes. Maintenant qu'on peut y accéder, on va pouvoir aller là-haut. Même si c'est pas exactement l'endroit où il faut aller d'abord. Enfin, si. C'est l'endroit où il faut aller d'abord, ici. Parce que c'est là où se situe la clé du vautour. De la tour du vautour. Là, il y a un poulailler. Fantastique, ce coq vole vraiment. Tu vois que je me mentais pas. Oui, il parlait du coq volant. Essaye par toi-même, brandis-le. Voilà. Donc ce coq, en fait, il voulait le... Enfin, il disait... Enfin, ce type, là, je vais y arriver, me disait qu'il y avait un coq volant quelque part. Et moi, je disais que je le croyais pas. Et en fait, bien sûr qu'il existe. Zut. Je veux juste voir ce qu'il y a ici, je me souviens plus trop. Voilà, la clé elle est là. Et c'est vrai que pour y accéder... Donc déjà, on va passer. Voilà, pour y accéder c'était un petit peu compliqué sans le coq volant. Voilà, c'est essentiellement pour ça qu'on avait besoin de lui. En fait on peut accéder à la tour à partir du moment où on a le grappin, je crois. Mais on peut pas accéder à la clé si on n'a pas le coq. Voilà, donc c'était tout ce qu'il lui fallait. Reviens là. Après, il y a plusieurs endroits dans le jeu où on a besoin du coq. Donc c'est le moment de bien explorer. Ça fait partie de ces moments où il faut essayer d'explorer l'île un maximum pour trouver les endroits où on a besoin du coq. Il y en a un... d'endroit assez simple à trouver qui est à côté. Il est où? Oui, si, il est à côté de merde, du château de Canulet. Donc attendez, je vais vous montrer. Voilà, il y en a un là, ici. Il y en a un ici de passage où on a besoin du coq. Alors on va passer par là, même si... Hop, coquillage. Je crois qu'ici il y avait pas grand chose qui m'intéressait. Là ça sent le. Ça sent le... Rien du tout? Triste. Aïe! Casse-toi! T-
Toc, donc là on va descendre, on va redescendre et on va aller encore plus à l'est. Parce que là on n'est pas encore allé assez à l'est. Alors. C'est vraiment la meilleure musique du jeu pour moi, c'est celle-là. Non, la brou... Bon, bah ok, je fais le tour et je reviens. Voilà, j'ai fait le tour. On va enfin y arriver. Ah, là il faut une bombe. Ça sent le truc où il faut la bombe. Ça va que j'en ai un paquet. Bon, je sais plus du tout où est-ce que ça mène ici. Étage du dessus, on dirait. Ah! J'ai quand même l'impression d'être complètement chié. Ah putain de merde, c'est vrai que tu pouvais le faire qu'en une fois. Voilà, j'ai complètement gâché cette possibilité. Mais j'y arrive pas! Comment je fais? Comme ça. Un peu triste. Je trouve des tonnes de coquillages. Je suis à combien de coquillages? 13? Bah dis donc, j'aurais presque tout su. Je crois qu'il y en a 24. Je crois qu'il y en a 24. Mais je crois que de toute façon, tout ce qu'il y avait dans les coffres là, c'était que de la thune. Et c'était juste, on pouvait en avoir un maximum. Mais en même temps, j'en ai déjà beaucoup. Du coup, ça change pas grand chose. Comment passer en sneaky? Tu es proche de la tour, prends garde aux rapaces. Alors là, tomber dans le trou, ça fait descendre tout en bas, donc c'est la mauvaise idée. Pas tomber dans le trou. Ok. Je sais plus du tout par où faut que je passe. C'est par là. Ouais, c'est ça, je trouve que je... Oui, c'est ça. En fait, on peut passer avec le piaf une fois, mais aussi on peut aussi passer avec le grappin si on passe par là. Donc le piaf, c'est avec la partie au centre, sinon on peut passer avec le grappin. Marche aussi. Je me souviens plus ce qu'il y a ici. Je crois que c'est une fée. Mais je suis pas sûr. On va vérifier. C'est une fée. Oh, je me souviens de ces trucs. Pourtant, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait le jeu. Hein. C'est resté gravé dans ma mémoire. Il y a tonnes de trucs que j'oublie, mais alors ça, je l'oublie pas. Ça s'appelle la bonne mémoire sélective. Piou. Là, je crois qu'il y a quelque chose là-bas, mais je suis pas sûr. Non, il y avait rien. Donc là, on arrive au niveau du vautour, de la tour du vautour qui est ici. Voilà. Allez. Donc là, c'est, on commence à vraiment atterrir sur les niveaux difficiles. Hop, je me souviens plus trop. Ah oh, putain, renvoie là les. Voilà les salopards de mage. Il y a encore des boutons. Il y a 4 niveaux sur cette tour en plus. Là, il me faut une petite clé. Qui est là? Je suis sûr que je peux l'utiliser pour autre chose. Regardez un petit peu la petite clé. Ouais, non. J'ai pas l'impression que je puisse encore m'en servir. On n'a pas trop le choix.
Passer par là. Ah, ok. Alors cette sphère là, elle va beaucoup me servir. Parce qu'en fait, il faut que je fasse descendre un étage au donjon. Faut que je le passe de 4 à 3 étages. Ah oui, d'accord. C'est impossible d'aller chercher. Obligé de le mettre là. Faut que je passe de 4 à 3 étages le donjon en détruisant les piliers qui soutiennent le dernier étage. Ouh, passé. Donc là, il y en a un. Le tout, c'est d'arriver à se balader la bouboule. Sachant que la bouboule, elle reste dans un étage. Je crois qu'il y en a un. Il y en a un juste en dessous. Voilà. Ouais, c'est ça, il y en a un là. Oh, dans les pics. Ok, deuxième partie de la tour, c'est déjà pas mal. C'était pas les plus durs. Maintenant, il va falloir balader pour trouver les deux autres piliers. Il y a bouton. Pire, je vais la laisser là. Oh merde. Ok. Je vais laisser là le truc en attendant. Si ça se trouve, ça va m'être utile s'il reste là. Je vais explorer un petit peu. Donc, il y en a un là. Est-ce que je pourrais le faire venir? Ah, prends sauter. Ah, si, je pourrais carrément le faire venir. Alors là, on va essayer de le faire. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Non, j'ai dit rapprochez-vous, pas éloignez-vous. Allez! Bon, je vais le faire comme ça. Oh, allez, premier coup. Ah, c'était que la boussole. Triste. Alors. Il me faudrait la carte, en fait, parce que là, j'ai vraiment besoin de me repérer dans ce donjon. Parce qu'il y a un pilier ici. Mais c'est pas tant ça le problème. Aïe. Oh nice. Voilà la carte. Alors la carte. Donc il y en a un pilier. Oh, on peut pas se déplacer dessus. Je vais essayer d'aller casser le pilier en allant chercher le bouton que j'ai laissé là. Enfin le machin que j'ai laissé là. Hop. On devrait pouvoir y arriver. Bon, en fait, on va pas pouvoir y arriver en passant par là, mais au moins, si on peut remonter à cet étage, il y aura déjà la bombe. Enfin, la boule. Ok, ok, c'est par ici, je peux pas passer. C'est compliqué comme donjon pour le coup, hein. J'y vais un peu à l'aveugle parce que je m'en souviens plus trop. Passer par là. Oui, c'est vrai que c'est un Kirby de l'infinition. Il t'aspire. Je pense que c'est Kirby en fait, tout simplement. Ok. Ah, ici, ça passe pas trop. On va monter par là. Je suis où? Je suis là. Ah oui, donc là, normalement, je pourrais aller au pilier. Sachant qu'il en reste un dernier là. Ah, là, il y a un passage à péter à coup de bombe. Sachant que j'ai déjà allé. Ah! Ah, ok. Aïe. Faut surtout pas qu'il reste coincé avec moi, ce machin, parce que sinon, c'est la mort assurée. Je disais quoi? Ok, toi. Hop.
On fait péter le mur. On va passer par là gentiment. On peut pas passer par ici, donc on va faire le tour, hein, tant pis. On doit pouvoir passer en passant par là. Merde. Ah, c'est sale. Faut que j'aille de l'autre côté. Mais le seul moyen d'y aller de l'autre côté, c'est de faire apparaître le... C'est de faire apparaître... Ah putain, la boule, je dois pas la trimballer par là. La boule, je dois pas du tout la trimballer par là, je dois faire le tour. Je dois faire complètement le tour. Ok. Je crois que je sais comment faire. On va faire le tour en passant par là. Voilà, moi je vais ensuite faire le tour à pied. En espérant que je puisse passer. Oula. Ah, d'accord, je peux pas passer. Ah oui, mais il y avait les boutons qui m'empêchaient de passer par le bas. Donc je vais descendre par ici. Et je vais essayer de remonter. What? Il y a une... D'accord. Pas passer par ici, c'est stupide. Par où est-ce que je peux passer pour remonter? On va regarder. Ah, ici c'est pas mal. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur en fait. Ah, c'est compliqué, il faut que j'arrive à trouver un endroit où je puisse remonter et passer par en dessous des... plutôt que par au-dessus. Est-ce que là... Ah si, peut-être, possiblement ici. Ouais, il y a peut-être moyen. Je suis une brêle. Mais putain! Il a pas voulu se déplacer, mon perso. Bon, je vais en profiter maintenant que je suis là. Je vais vite passer par ici, il y a un coffre là-bas au bout. Un coquillage. Lâche-moi, Kirby. Hop. Alors, je me souviens plus comment je le bats, lui. Comme ça, ça marche bien. Voilà. Hop, une petite clé. Voilà. Merde. Merde! Ok, c'est passé. Donc voilà, maintenant qu'on a un coffre, il faut que j'aille chercher la bouboule qui est là, voilà. On commence à y arriver, sachant que j'ai même pas encore commencé à explorer le troisième niveau, que je vais déjà le détruire, hein. C'est trop drôle. Hop. Donc tout le troisième niveau qui est en bas à droite sur la carte, là. Eh ben, je vais pas le visiter, parce que j'aurais tout défoncé avant même d'être passé. Ah merde. Bon, à croire que c'est calculé pour me faire chier, le passage du machin, qui tue, là. Donc, on passe par ici. On utilise le grappin. Et on obtient une bombe. Bien joué, bravo. Il me rend une bombe. Et bim, le pilier en moins. Ouais, je sais, je suis allé un peu vite. Et là, si on ouvre la carte, boum! L'étage 4 est tombé sur l'étage, sur l'étage 3. Maintenant, faut que je remonte. Je vais remonter en passant par là.
la question c'est comment je vais faire pour remonter vraiment. Poussez-vous. Là, il y a un moyen de monter. Ah, évidemment. Je suis un peu loin. Merci. Donc le boss est juste au-dessus. Et oh. Il me faut la grande clé quand même. Il faut quand même la grande clé, je peux pas faire ça juste comme ça. Donc la grande clé elle doit pas être loin. Et il doit me falloir le... Il doit me falloir un bouton. Je sais pas du tout par où passer pour le coup. Il faut que je trouve un bouton pour pouvoir aller. Ah. Alors petit, tu cherches des bagarres, allez débarrasse-moi cette route. Ça c'est le mid-boss. Ouais, ok. Terme de difficulté. Ah, c'est tout ce que tu as, prépare-toi à ça. C'est quoi? Waouh. Ça va. Je galère pas trop. C'est pas difficile, hein. Ok, je l'ai battu, j'ai un TP pour revenir jusque là. C'était pas ça. Bah alors? Faut que je les tue? T'es peut-être pas la bonne direction. Alors ça c'est trop drôle. Ah merde. Il y a une clé. Il faut peut-être que je les tue, mais comment je les tue? Je sais plus, c'est... Je crois que les flèches leur font rien. Ouais, les flèches leur foutent rien. Aïe. Arrête de me suivre toi. Ça leur fait rien du tout. Bah merde alors. Quoi, faut que je les écarte? Ou faut que je les rapproche peut-être? Il y a un truc à faire dans ce salle. C'est sûr. Voilà. Ah bah voilà, j'ai la grande clé. C'est aller vite. Bon, j'ai pas énormément de vie, mais bon, on peut essayer. Ah mais vous savez quoi? Là, il y a de la vie qui traîne. Allez! Hop, encore un peu de vie. Alors là, on n'est pas exactement dans l'entre du boss. D'ailleurs, c'est toujours ce qui m'a fait bien rire dans ce donjon. C'est que l'entre du boss, elle est encore un peu inaccessible même quand on est là. Encore faire 2-3 petits trucs. Parce qu'il a fallu faire tomber tout l'étage d'au-dessus en fait. Yop. On peut passer par là. Voilà. Le boss est là. Cette fois-ci, je vais t'avoir, c'est sûr. Je vais t'écraser comme une vulgaire fourmi. Le retour est là. Alors, comment je bats ce truc? Je me souviens plus. Il est un peu compliqué si je me souviens bien. L'avantage, c'est que là, pour le coup, je tape deux fois plus fort. Faut que je prenne de la plume, je crois. C'est vrai qu'il n'y a pas d'item dans ce donjon. J'avais jamais fait gaffe, mais il n'y a pas d'item. Ah, putain de merde. Je vais tomber. Voilà, ça c'est la partie compliquée, c'est qu'en fait quand il arrive et qu'il nous jette des trucs,
Et ben ça nous repousse. Oh! Quoi? Cette hitbox permissive de l'infini? Ouais, ok, non, quand même pas. Peut-être falloir que je prenne la plume plutôt. Ok. Là, faut prendre le bouclier. Est-ce qu'il faut vraiment esquiver les plumes? Voilà. Ça, c'est le souci. C'est si on se fait avoir, si on se fait surprendre, en fait, il nous jette en bas et ça reset le boss. Moi, je suis en train de lui mettre une grosse tannée. Ah merde. Voilà, c'est ça le souci. C'est ça le gros souci. Parce que là du coup, on reset. Oh, il est trop. Sinon le boss c'est pas très compliqué, hein. C'est juste qu'il faut éviter de se faire surprendre quand il arrive. Hop, donc là je vais mettre 6 coups. Ouais, c'est ça. Et toujours essayer de se déplacer dans le sens où il fait du vent. Mais oh, je l'attrape comment là? Ha, toujours plus haut. Allez, il ne doit plus me rester grand chose. Et merde. Aïe aïe. Non, putain. Ok, il faut vraiment que je compte. En fait, ça a l'air d'être assez régulier. C'est une fois toutes les tous les 6 coups. Enfin, en tout cas, tous les 3 coups que je lui mets. Donc, c'est les 6 de dégâts, normalement. Il a l'air d'utiliser ses plumes. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, on repasse à la plume. Ça, je le touche pas du tout, mais ça passe quand même. Oh, là, par contre, tu m'as touché. Quoi? Mes calculs étaient complètement faux! Putain de merde. C'est donc pas 3, c'est aléatoire? Non, je pense pas que ce soit aléatoire. Toujours plus haut par contre, toi. Ok. Bouclier. Ok, jusque là ça va, c'est facile. Bouclier. Ok, c'est bien ça. Par contre, tu me baites pas à remettre des plumes derrière, parce que je prends pas mon bouclier. Ah là! Chaque fois j'étais vraiment. Que dalle. Et bim le cœur! Donc là faut redescendre, voilà, la porte est ouverte. Tu as l'orgue de l'embellie. Ocarina, sa musique te guidera. Voilà, ça y est. Donc on a fait le 7ème donjon gentiment. Et merde.
Voilà. Là, je suis descendu tout en bas. Ok, on a fait ce septième donjon plutôt gentiment. C'était pas très très compliqué. J'ai même pas exploré le véritable troisième étage, le premier qu'il y avait. Et donc, du coup, dans le prochain épisode, on va s'attaquer au huitième donjon. Mais pour ça, je vais quand même on va quand même remonter un petit peu. Je vais faire 2-3 trucs. Déjà, on va remonter et je vais vous amener. Il y a un. Est-ce que je peux accéder au TP du Nord? Possible. Possible, je vais pouvoir y accéder. Ah oui, mais ça fait penser que j'ai pas le bouclier niveau 2. Merde. Il manque 2-3 petits trucs quand même. Il manque 2-3 petits trucs. Du coup, ce que je vous propose, hop, je vais rentrer ici. Et je vais sortir là. On va arrêter là cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, du coup, on va essayer de s'attaquer au donjon numéro 8. Au dernier donjon. Et il me manque 2-3 petits trucs pour y accéder. On verra bien dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.